Putain, c'est chiant. Je me fais chier. We go from Lyra to Libra, from cold water to fever, to World War III from the treaty signed in Geneva. The biology teacher said we used to be amoebas. The neighborhood preacher said we emerged from the ether. We converge. Thoughts corrupt the files and contaminate the console again. It's a shame.
seeking to be served, ever patiently waiting with the demons we deserve. Better be willing to pay with every dream that you deferred. If the vehicle should swerve, learn to lean into the curve. After working up the nerve, almost equal in size, I walk around with the iron for any wrinkle in time. I paid a piece of my mind for every nickel and dime, but never less than a five, and never slept on the job. A trap on your squad, yet never left the garage, where your guide was close enough to see the flesh of his eyes. Get to the button and press it's what the message advised. J'ai peur qu'il y ait vraiment mes messages de répondre. Allez, let's go. Salut à toutes et à tous, bienvenue. On est en direct du Groupama Stadium de Lyon. Allô. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Ouais, et la tension est palpable ici avec ce match qui promet d'être très intense. Et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Le football, c'est la meilleure excuse que l'on a trouvé pour se rassembler. C'est une récréation existentielle. Voilà, existant. Oh, attention à ce ballon. Ah, dommage, parce que ce ballon-là est gâché. C'est une occasion en or et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus. Toi, tu peux trouver le ballon récupéré. Ta pote, je veux rien dire. Alors, la composition officielle de cette formation, dans le but, c'est Mike Maignan. Adrien Rabiot sera associé à Tchouaméni sur le terrain, avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque avec Antoine Griezmann. Ouais, c'est bien ça. Passe coupée au bon moment, bien joué. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Sa grande qualité, c'est son aptitude à passer ses adversaires en vitesse. Pas besoin de beaucoup d'espace. Juste un petit trou de souris et c'est trop tard. Bip bip. Oui. La récupération haute, le pressing est payant. Mbappé la frappe. Et c'est capté par le gardien sans danger réel. Ouais, une bonne charge. Théo Hernandez. Il y a des possibilités pour Griezmann. Et un ballon capté sans problème. Peut-être un bon décalage sur ce ballon. Oh, il la frappe. Excellente intervention. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Quel bon centre appliqué au second poteau. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Griezmann. Et la réception, c'est pour Kolo Muani. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée. Aucun problème. Et voilà une bonne récupération là. Putain, j'ai même pas marqué. Ouais, la différence est faite. Ah oui, bonne couverture là en soutien. Le ballon est récupéré. Et le déboulé dans la défense adverse. Bien joué. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Et oui, c'est réussi. Il est passé. Oui, c'est bien fait. Et c'est réussi, ce but pour prendre les devants, ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation idéale. On le revoit ici,
Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Le final est un peu bizarre. Ce geste est complètement raté, mais ça finit quand même au fond. Putain, ça me fait 1-0 donc au tableau d'affichage. Griezmann. Ouais, le bon tacle, c'est bien défendu. Et la pression pour empêcher la relance. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Et Maignan qui va aller chercher ce ballon. Ah, le corner bien tiré. Bonne intervention du gardien. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Évidemment, on en attend toujours beaucoup de la part de Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, voilà, il passe un peu à côté de son match. C'est bizarre. On voit que sur les ballons joués, il n'en touche presque pas dans la zone de vérité. Quand t'es attaquant, c'est comme un sommeil sans rêve. Et c'est parti dans ce match. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Oui, c'est bien fait. Et c'est réussi, ce but pour prendre les devants. Ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation. Et Maignan qui va aller chercher ce ballon. Voilà, 1-0. Pour Paname. Bon, allez, on va reprendre parce que ça me saoule un peu. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Et attention à cette frappe. La frappe contrée sans souci. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Ouais, c'est un nouveau corner à tirer. Je l'arrête le corner. Corner. Voilà. Théo Hernandez. La récupération haute, le pressing est payant. C'est capté sans aucun souci par Mike Maignan. À
Adrien Rabiot. Le ballon transmis à Rabiot. Voilà la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de risque. C'était surtout l'occasion en or de revenir à la hauteur. Maudit Colomani, moi. La 62. Et reculer, c'est aussi un bon moyen. Un face-à-face à négocier. Une égalisation sur ce ballon. Voilà une belle preuve de caractère. De retour dans ce match. Et tant mieux pour le Sénégal. J'ai dit 62. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Le ballon est rendu directement à l'adversaire. L'attaque se poursuit, elle se développe avec Kylian Mbappé. Intervention défensive, le ballon en touche. Allez, changement donc. Et l'équipe retrouve la possession. Peut-être un bon décalage sur ce ballon. Et la frappe. Ah, la frappe est contrée. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Et ici l'occasion pour mener. Oh, la bonne parade. Oh, voilà, c'est un changement donc. C'est bien parti pour ce corner. Long ballon aérien, la défense se soulage. Ballon pour Tchouaméni. Oh, la frappe. Ouais, bonne détente pour rassurer la défense. L'entraîneur met la fraîcheur avec ce changement. Un corner bien joué, bien frappé. Intervention pour éloigner le danger. Attention, il y a un bon pressing. Ballon perdu, c'est rendu même. Ah, il y a faute, mais avantage. L'arbitre là, elle fait signe de continuer. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Ah, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Un but dans les dernières minutes et c'est sans doute la victoire finale. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Attention la frappe! Quel arrêt, ça vaut très cher. Il permet à son équipe de conserver le match nul. En fin de match comme ça, c'est absolument vital. Un corner qui est bien ajusté. Théo Hernandez. Plus qu'une petite minute à jouer dans le top. Attendez, 10 secondes. Voilà, et on rejoue. Réglementaire. 3 minutes en plus, annonce l'arbitre. Oui, il est généreux. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut.
c'est une frappe. Oui, c'est contré, bonne défense. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce match. C'est donc Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales, ça donne presque envie d'aller mettre les crampons. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. Dans un instant, le coup d'envoi du match retour et le dénouement dans cette éliminatoire. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Antoine Griezmann. Oh oui, ce but! Quel geste, quelle reprise de volée, quel golazo! Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça, je deviens fou. Tu as un ballon en défense et pour une raison mystérieuse, tu le rends. Et derrière, bien sûr, tu te fais punir. Je lui dis bonne année. 1-0 donc au tableau d'affichage. Il l'a effacé sans aucun problème. Ah, le ballon traîne, attention. Ouais, nouvelle intervention, le ballon est bien capté. L'arbitre intervient, c'est un coup franc. Une faute flagrante, mais pas de jaune là-dessus, en tout cas d'après l'arbitre. La faute ne lui a pas semblé mériter un avertissement formel. Une réprimande suffira sans doute. Bien défendu. La pression sur le porteur. Et sur le côté, Mbappé, il a du champ. Ouais, très bon ballon vers le second poteau. Et non,
finalement, ça n'ira pas plus loin. Bien défendu, le ballon récupéré. Kamavinga reçoit le ballon. Ah, ça part très bien. Goal, 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 goal. Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui. Ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon. Quel zapatazo! Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Ah, c'est un ballon mal dosé et ça va être pour le gardien. Ah, le long de la ligne, il profite bien des espaces. Ah, le ballon intéressant. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. Antoine Griezmann à la réception. Et reprise ce ballon de Kylian Mbappé. Kylian Doherty. De pied. Et Coman reçoit le ballon. Et le ballon est rendu. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Alors jeu de pas grand chose. L'action se poursuit. Oui, bien fait ça. Ah non, ce ballon est perdu. Bah sortez-là. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Ah, il peut conclure. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. On fait une pause. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Antoine Griezmann. Oh oui, ce but! Quel geste! Quelle reprise de volée! Kamavinga reçoit le ballon. Ah, ça part très bien. Goal, 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 goal. La mule. Ça traîne dehors à 7h06. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait qu'il a... C'est traqué des mecs. C'est traqué des mecs. C'est traqué des mecs.
9-2. Lego, les deux on joue. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Ça fait mal ça. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ouais, le ballon est bien intercepté. Ouais, la différence est faite. Coman. Et c'est le but. L'écart maintenant est encore plus important. 3 buts d'avance. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Attendez, je me pose. Sur Snap, il y a même des TN. Parce que... est-ce que ça existe des chaussettes des mal les chaussures. Des mal les chaussures. Incroyable, c'est des TN.
Ah, je viens de les mettre, ils sont incroyables. Gros, il y a des chaussures TN sur le Bitmoji Snap. Oh gros, tu veux des TN? On va voir qui va me répondre. Et dans ma tête, on m'a joué le kicker. Ah, mon ref. Bah va sur ton Bitmoji. Il y a des chaussures TN. Regarde mon Bitmoji. Bah, va voir. On a joué un peu de ton cœur. Oula, il m'a répondu. Est-ce qu'il va changer? Attendez, la Yonine ne m'a même pas appelé. Gros, t'as même pas changé. J'avoue, c'est incroyable. Je vais vous mettre de la musique. À 0, c'est le score suite à ce but. Et le ballon change de propriétaire.
et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Griezmann. Antoine Griezmann à la réception. Elle a... Le corner. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. C'est bien parti pour ce corner. Le pressing sur Théo Hernandez. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Griezmann. Marcus Thuram avec le ballon. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Allez, pas de prix, il faut prendre un risque maintenant. Allez, le gardien qui se touche bien là-dessus. Le corner. Oh oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Oh, la frappe! Et c'est dans les bras du gardien. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Il y a la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Très belle inspiration. Il a géri en deuxième rideau, c'est bien joué, ballon récupéré. Il y a un contre possible à jouer là. Oui, bonne intervention, le ballon sort en touche. Et le remplacement peut avoir lieu. C'est contré, ce centre. Voilà, bonne intervention dans les 16 mètres. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. La projection dans le camp de l'adversaire. Le coup de sifflet final. On en a donc fini avec ce match retour. Et c'est donc fait. C'est la qualification pour le tour suivant. Voilà, c'est parti. Le coup d'envoi.
GDT. Non, trop facile pour même moi sur moi cette fois. I see the walls, then see them fall. You break through them all. I see you crawl, now you stand tall. Grow and grow till tall. Install your screen. Sur ce, la team, ils sont blessés contre nous.